Bon, je vais être court, hein, parce que ça peut être assez long. Mais... Donc c'est un parc. Alors on aime bien les chiffres hein, quand on est phrase. C'est un parc qui fait 182 hectares, entouré de murs. Alors si vous êtes sportif, si vous avez un peu de temps, vous pourrez mesurer. Mais il fait à peu près 7 km le mur. 7 km. Voilà. C'est-à-dire la distance d'ici à côté de là. Voilà. Ce mur, comme je le disais tout à l'heure, ils ont mis 40 ans pour construire. 40 ans. Hein? Et les pierres, ils sont pas allés. Les pierres, ils sont pas allés les chercher très loin. Ils les ont trouvés, on est sur du granit. Très près du sol, hein? On n'est pas sur des très, très bonnes terres. Donc le granit, ben, ils l'ont extrait de. Voilà. Voilà, donc les pierres, ils les ont trouvées très facilement au pied du mur. Il y a pas mal de trucs. Voilà. Donc là, vous êtes pratiquement au milieu du parc. Vous avez changé de commune. On est plus sur Boal, mais on est sur Potaleu. C'est à peu près du tout. Et vous avez donc le château du Neuve, construit par mon grand-oncle, le frère de mon grand-père, en 1923. Bah, c'est pas très vieux, il y en a des beaucoup plus vieux, donc il aura 100 ans l'an prochain. 100 ans l'an prochain. Là, et... Voilà, c'est bien. Et pour quelle raison il a été fait, ben, ça je n'en sais rien, mais le château précédent, il y en avait un autre, il était entre le château que vous voyez et le temple. Là. Vous voyez, il était à l'endroit où on voit les grosses boules de boue. Et je pense qu'il était assez humide, plus près de l'eau, et donc ils ont voulu... Cette construction, c'est pas une construction qu'on voit beaucoup dans la région. Par contre, si vous êtes allé avec vos parents à Dinard, à Verdoville, etc., c'est ce qu'on appelle une maison anglo-normande. Voilà. Donc on voit plus ce genre de construction en Normandie, c'est-à-dire dans laquelle il y a, vous avez des toits en pente, vous avez des colombages que vous voyez en bois, et puis le reste de la construction est en tuffeau, en pierre du Maine-et-Loire, enfin de Touraine. Et puis, il y a quand même du granit quand même. Et savez-vous pourquoi il y a une tour? Pas pour faire joli, parce que vous avez une idée. Pour regarder le paysage. Oui, enfin, on peut le regarder d'ailleurs, mais non, c'est pas pour ça. Hein. Si vous trouvez, vous êtes très très drôle. Allez-y. Avant, au sein, il y avait le seigneur. Non, c'est pas pour ça. On pourrait, on peut, mais c'est pas pour ça. Non, alors je vais vous expliquer. Oui, cette tour, elle sert, d'abord il y a un escalier, mais en haut de la tour, vous voyez, il y a le toit, et puis juste en dessous du toit, vous avez une partie. Enfin, la tour est ronde, mais vous voyez, il y a des fenêtres arrondies. Et derrière cette fenêtre, c'est le château d'eau. Okay. Ouais. C'est le château d'eau, ce qui veut dire que ici, je n'ai pas l'eau de la ville. Il y a une fontaine que vous voyez qui est là, avec un puits, la table, un tuyau d'eau qui amène ici, et puis ça rentre dans la maison. J'ai une pompe qui me monte de l'eau tout en haut, et j'ai une énorme citerne, 9 mètres cubes. 1923, mais c'est quand même très vertueux. Et ça redescend par gravitation dans le reste de la maison. Voilà, ce qui veut dire qu'en 1923, on est en pleine campagne. Ailleurs, il n'y avait pas le K2, Caboal ou à Marseille ou à Malétroit, il n'y avait pas d'électricité. Mais ici, il y avait d'électricité parce que, pourquoi, il y avait de l'eau, hein, à cause du château d'eau, et il y avait un chauffage central. Voilà. Alors, il y avait d'électricité, pourquoi? On verra tout à l'heure quand on est passé dans la ville de milieu. Il y avait un petit bâtiment. Donc il reste que des ruines, les enfants. Vous avez entendu ce que je dis, pardon? Pardon. Je suis gentil, mais c'est gentil, je ne peux pas répéter. Hein. Il y avait un petit bâtiment, et dans ce petit bâtiment, il y avait un moteur. Et avec l'eau qui tombait, ça, de la chute d'eau, le moteur, ça produisait du courant, et il y avait un câble qui remontait du 110 volts. Aujourd'hui, on est en 220 volts. Ça remontait du 110 volts au château. Et avec le 110 volts, on avait l'électricité qui pouvait faire tourner la pompe et qui donnait de la lumière. Et puis le chauffage, non, le chauffage n'était pas électrique, il était à charbon et à bois.
Les cheminées. D'où les cheminées. Il y en a moins parce qu'on est enlevé. Mais voilà, d'où les cheminées. Pourquoi les cheminées? Voilà, pour qu'il y ait un chauffage à bois, à charbon ou même à chaud, il faut une cheminée. Pour que le gaz et le puissent s'échapper. Voilà sur le château. Donc ça, il aura 100 ans l'an prochain. C'est des nénuphars. Je ne pas les nénuphars. Ah oui, c'est des racines de nénuphars. Car le nénuphar est une plante qui pousse dans l'eau. Hein? Non, non, sans faire. Non, non, c'est une racine. Alors là, c'est un petit canard. Ne l'effrayez pas. Un jeune canard de la nuit. L'eau de la rivière, c'est l'eau qui est dans la rivière. Oh, alors l'eau qui est après, ah ben elle vient de l'étang. Non, non, non. Alors, l'étang, c'est un étang qui fait 4 hectares. C'est un grand étang. Il existait déjà chez les enfants. Mais faut. Là, c'est là où on voit la modestie du. Hein? Oui. Je ne coupe pas toutes les pièces, hein, je vous rassure. Hein. Alors l'hiver, c'est pas très confortable parce que c'est un. Il y a dur que ce soit contre au vélo. C'est un gruyère pour le confort. Donc l'étang fait 4 hectares, il existait déjà au 18e. Au 18e, il y a ce qu'on appelle les cartes. Il y a eu des plans qui ont été faits en France dans les années 1700, enfin 1725 pour être précis. Il y a ce qu'on appelle les cartes de Cassini. Hein, c'est un ingénieur de l'époque qui a fait dessiner par lui et toutes ses équipes, comme les cartes Michelin ou je sais pas quoi d'aujourd'hui, qui a fait toute la France. Et sur la carte de Cassini, du secteur, c'est-à-dire du secteur de Fernel Estranvert, l'étang figure dessus. Donc il est au moins. Alors, une autre question. Vous avez plein de pierres. Alors là, on ne les voit pas trop, parce qu'il y a de la fougère. Là, on les voit mieux. Ce sont des petits dolmets, des petits menhirs qui ont été récupérés à droite et à gauche dans le parc, et qui ont été installés là aussi au 18e. Voilà. Et vous verrez tout à l'heure, je vous en montrerai un ou deux plus précisément, parce qu'ils sont, ils sont complètement flippés, ils sont complètement taillés. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah bah oui, alors aujourd'hui il fait pas beau, mais quand il fait très beau, on entend trois. C'est même assourdissant, parce qu'il y en a une qui donne le bruit, puis l'autre répond. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette...